Ah, c'est ce qui est... C'est bizarre.
20 000 francs d'avis.
Ah. Thank you.
c'est trop loin. Puis il fait de la merde.
un petit. Thank you.
Ah ouais, ça je connaissais pas, c'est bien foutu. Là, ça va mieux maintenant.
Merci pour le follow.
Là, il y a des voix. Ça, il pourra en prendre 3 la prochaine fois.
Salut. Oui, ça va et toi? C'est le bureau de logistique ferroviaire. Il est ici dans les trains. Non, il est dans la logistique, il est là. Ça marche comme un bureau de logistique pour les véhicules. Donc, tu choisis où ils vont chercher, où ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont chercher, qu'est-ce qu'ils vont décharger. Il faut quelques locomotives. Et après, il faut des wagons. Tu peux définir la longueur des wagons, des choses comme ça. Le nombre de minimal de wagons, puis la longueur maximale du train. Ça permet d'avoir moins de locomotives. J'ai pas trop de locomotives qui dorment, qui est de chargement, des choses comme ça. Puis du coup, ils sont toujours en mouvement. Oui, ça aide bien. Par exemple, moi je l'ai fait surtout pour ici, à la ferme. Quand c'est plein à 90%, il y a un train qui viendra chercher. Comme ça, pendant ce temps, il fait autre chose. Comme par exemple, essayer de vider le stock de charbon. Ou essayer de vider le stock de briques. Que j'achète des wagons pour transporter des briques. Puis après, c'est aussi ce bâtiment qui compose le train lui-même.
Donc il prend les wagons qu'il a besoin. Et puis il fait le train lui-même et puis il fait voilà, la ligne. Pas de soucis. J'ai l'argent pour cet hélicoptère. Presque. Ah, j'ai, c'est bon. Thank you.
gagne du fric, tout va. C'est moche ça là. Qu'est-ce que tu fous là toi? Ah, faut bien réfléchir. Comment je vois l'avenir? Ici, ce serait quand même par ici qu'il y aura le chargement, puis tout. Puis en même temps, du coup, la frontière avec l'OTAN sont un peu plus, ce serait plutôt celle-ci. Faut mettre quelque chose quand même par là, quoi.
Parce que je suis pas en train de faire un peu de la merde là par hasard. J'achète encore un wagon, puis après je m'arrête là. Pour un moment. Thank you.